C'est moi, Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation du chaîne de restauration rapide Jack in the Box. Vous êtes prêts? Hi, can I have a Jack's Munchie meal, please? Okay, which one would you like? I would like a stack grilled cheeseburger, please. Alright, what would you like to drink with that? Coke, please. Alright, anything else? That's it. Thank you. Thanks. Je suis sur le site de Jack in the Box. Le burger que j'ai commandé, c'est celui-là sur la droite. Mais en fait, on a l'option de celui-là, celui-là et celui-là. On a une boisson là, Coca. Ça, c'est taille médium. Mais en France, je pense que c'est large parce que c'est l'Amérique. Et voilà, c'est ce qu'on a. J'ai un stack grilled burger. J'ai deux tacos. Tacos à la mexicaine. En deux là. Et on a des frites curly et normal. Et le repas il m'a coûté 6 $. Vous pouvez le voir ici. Voilà, 6 $. Bien sûr, la TVA elle est incluse strictement après. Voilà, 6,56 $ c'est la TVA. J'ai payé un total de 6,56 $. Et en réalité, Jack in the Box, c'est un fast food qui est disponible pas dans tous les états aux États-Unis. Moi je sais que dans le côte ouest, Californie, dans la région nord-ouest et sud-ouest, de la Californie jusqu'à l'état de Washington et jusqu'à peut-être le Texas. Mais pas, je sais qu'en côte est, il n'y en a pas à New York, etc. Je pense qu'il n'y en a pas. Et c'est ce qui est intéressant avec ces Munchie Meals, ces 4 promotions qu'on voit, ils sont disponibles strictement dans le McDrive, de 21 h jusqu'à 5 h du matin, je pense. Et pour certains d'entre vous, en fait, qui pensent aux États-Unis, le fast-food, la majorité des fast-foods sont ouverts 24 h sur 24. Je sais que McDo le font. McDonald's, Jack in the Box, d'autres. Mais je sais que Burger King ne le font pas. Ils ferment à minuit. Mais la salle à manger, elle est fermée en général à 22 h ou à 21 h. Ça dépend. En fait, c'est dommage. J'aimerais bien que Burger King, ils ouvraient leur... dans drive-thru, dans McDrive, 24 h sur 24, mais bah, c'est la vie. Ça, c'est vraiment un tacos à la mexicaine, on pourrait dire, entre guillemets. C'est la nourriture pas très haute qualité, je vais pas mentir. Mais c'est la nourriture que c'est pas tellement très cher, c'est bon, mais bof. Ce que je reviens vous dire, c'est que c'est intéressant, c'est le thème. Munchie Meals, c'est pas très approprié pour les gamins. Munchie, c'est avoir plutôt avoir la faim et avoir très faim après avoir fumé quelque chose. Vous pouvez deviner en fait ce que je veux dire. Voilà, je vais pas dire. Cette frite là, c'est curly fries. Je sais pas si ça existe en France. Là. Comme toutes mes vidéos, si vous êtes jamais venu aux États-Unis au niveau de fast food, vous vivez par procuration dans mes vidéos. Ouais. Je crois que je vais parler que de la bouffe. On peut parler des autres choses. Alors, en ce moment-là, je suis sans emploi. Je viens d'avoir fini ma formation d'aide-soignant. Et je dois passer un examen. Un examen... de classe de l'état de Washington, parce que j'habite à Seattle, ce qui est dans l'état de Washington. Intéressant, une chose intéressante, un fait intéressant, quand les gens me demandent où j'habite aux États-Unis, j'habite à Seattle, et me demandent dans quel état, Washington. Alors, c'est pas Washington DC, c'est l'état de Washington. C'est l'état, deux états au-dessus de la Californie, juste en dessous. En dessus de l'état d'Oregon, mais Washington DC c'est carrément de l'autre côté des États-Unis, c'est dans le côte ouest, pas trop loin de l'état de Virginie, Maryland et West, je connais pas, l'ouest de Virginie, West Virginia, et voilà. Aussi l'état de Washington, on n'est pas très loin de Vancouver, Canada, et on n'est pas très loin du Canada ici, on fait un petit voyage d'à peu près de 150 km, on est à Vancouver. J'adore. Alors, aïe aïe aïe, c'est le pain de mie
qu'on a dedans. Et le burger là, alors ce qu'on a le côté supérieur, c'est un peu comme le Big Mac, mais sauf qu'il n'y a pas de pain au-dessus. Il y a du fromage là, le pain au milieu et on a un hamburger en bas. C'est comme un Big Mac. Ouais. En fait, le côté supérieur, c'était du fromage. C'est vraiment une spécialité simple des Américains. On l'appelle grilled cheese sandwich. Comme je vous dis, Jack in the Box, c'est pas un burger world class, mais c'est un hamburger modeste. Et si vous voulez vraiment manger des bons hamburgers, bah, beaucoup d'Américains disent que c'est de la merde, mais moi je m'en fous. Je me considère quelqu'un modeste. Et jamais je penserais que je serais trop bon, trop haut classe pour la nourriture. Alors, tacos. Et en anglais ou en Amérique, on ne dit pas tacos, c'est taco. On dit tacos strictement quand c'est le pluriel. Deux tacos, mais un taco. C'est pas le seul burger, en parlant de burger haut classe ou pas haut classe. Un des burgers les plus haut de classe considérés entre guillemets que j'ai lu sur internet ou que les gens disent, c'est Five Guys. Il y en a un, Five Guys, à Paris, en France, je sais qu'il y en a un, mais ça ne me dérangerait pas de faire une dégustation dans le futur. Voilà. Five Guys, chez moi, dans l'agglomération de Seattle, je pense qu'il devrait en avoir au moins 3 ou 4. Et c'est des patates, en fait, c'est... Ils sont très fiers de la manière dont ils font leurs ingrédients. C'est parce que leurs patates, elles sont fraîches. Elles viennent de l'état de Idaho. Il n'est pas très loin de l'état de Washington, c'est l'état voisin. Sur le côté est de Washington. Une frite normale. Une frite normale. Le fast food. En réalité, je prends beaucoup de prends soin de ma santé, mais c'est ironique vu que je fais beaucoup de vidéos sur le fast food. Une chose que je voudrais vous dire, j'ai une chaîne YouTube anglophone qui s'appelle Driven Dork One. Si vous êtes intéressé, le lien il est dans la boîte de description. Et c'est en anglais. Si vous comprenez l'anglais, bah vous pouvez vous abonner et écouter ou visionner mes vidéos. Et aussi, j'ai une chaîne de gastronomie en anglophone. Et donc, ça s'appelle Geek Consumption Food Related. Si vous intéresse, le lien de la chaîne est aussi dans la boîte de description. Mais en parlant de la santé, je fais des jeûnes, ce qui est intéressant. Alors, je mange beaucoup de bouffe. De bouffe cochonnerie, junk food. Mais vous savez savoir que moi, je fais strictement... Je mange strictement de la nourriture comme ça, je me filme. Et donc, au moins, si je me mets la cochonnerie dans mon corps, ça sera visionné et je pourrai gagner un peu de la popularité avec mes vidéos. Ça ne me dérange pas. Mais en réalité, je mange beaucoup, je fais des jeûnes, ce qu'on dit. En anglais, on dit intermittent fasting, c'est-à-dire que je fais des jeûnes. Une certaine période de temps pendant la journée, je ne mange pas, je bois que de l'eau. Deuxième période de temps pendant ma journée, je mange. Je ne sais pas où j'ai mangé tout le temps, mais par exemple, de midi jusqu'à 18h, j'ai le droit de manger. Mais après ça, en dehors de ces heures-là, je ne mange pas. Des fois, je suis spontané, je ne suis pas obligé de faire exactement comme ça, mais ouais, je compte un peu. Là, c'est bizarre. Alors, en général, je n'ai pas beaucoup d'autres critères quand c'est de... dans le burger, mais en particulier ces laitues là, la salade dedans a l'air un peu vieille quoi, c'est bizarre. C'est pour ça qu'on me dit que Jack in the Box c'est pas haute qualité, bah voilà, je crois qu'ils font n'importe quoi. Et le goût est vraiment bizarre, ces vieilles salades, je dirais que c'est pauvre quoi. J'ai déjà mangé Jack in the Box, c'est bien fait. Mais je pense que ces ingrédients-là en particulier ne sont pas très bonnes. Ça ne m'empêche pas de finir. Ouais. En France, j'ai vu en France auparavant. Et parce que les McDo, en général, ils étaient très rares. Au moins pendant la période de temps quand j'ai vécu en France, c'était pendant les années 80.
connaissais, en fait, je connaissais que Quick et McDo. Et Burger King, en fait, il existait, mais il était très rare en France. Et vraiment, la première fois que j'ai goûté Burger King, c'était quand j'ai déménagé aux États-Unis pendant les années 90. Et j'ai goûté le Whopper pour la première fois en 1995, ça je me rappelle, parce qu'on a déménagé d'une... J'avais déménagé dans une maison, il y avait un Burger King pas très loin de chez moi, et donc j'ai commencé à grossir pendant cette période de temps, de 1995 jusqu'au présent aujourd'hui. J'étais devenu accro un peu au fast-food. Et c'est ce qui est intéressant, avant l'inflation, ou pendant une période de temps, le Whopper, il coûtait 99 cents, ou 99 centimes, littéralement. Et c'est ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, ou la dernière fois que j'étais en France, en 2016, le Whopper, il coûtait au moins 4,75 €, quoi, même 5 €. 5 fois le prix original que j'ai payé pendant les années 90. Mais je pensais que le prix de 99 centimes en 95, ça doit être une promotion, mais c'était une promotion qui était prolongée, quoi. Ils n'ont jamais arrêté, ils ont continué à le vendre à 99 centimes. Je ne sais pas pourquoi, mais ils l'ont fait, mais éventuellement, ils ont arrêté. Même quand ils l'ont arrêté, je pensais que le Whopper devait coûter 3,20 $. Même si ce n'était pas trop cher, mais maintenant, c'est plus de 5 $. C'est ce qui arrive avec l'inflation. Voilà. Pourquoi je parle de Burger King quand je mange à Jack in the Box? Je pourrais vous raconter une histoire intéressante de Jack in the Box. Je vais vous raconter une histoire de Jack in the Box. Alors, je me rappelle en 1992 ou 93, il y avait une épidémie qui s'est passée. Je pense que c'est passé dans l'état de Washington, dans la grande région de Seattle. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait la bactérie, en anglais on dit E. coli. Ben en fait, c'est les crottes de vache qui se sont incrustées ou qui sont mélangées avec la viande qu'on utilise pour manger. Et c'est ce qui s'est passé. En général, c'est pas un problème. Et je vous rigole. Et je rigole pas. En général, c'est pas un problème quand il y a des crottes de vache qui ont taché un peu la viande. C'est pas grave parce que si tu cuis à fond, tu tues toutes les bactéries. Mais dans le cas de Jack in the Box, leur burger, ils n'étaient pas cuits à fond, quoi. Et parce que c'était rouge à l'intérieur, c'était pas complètement cuit, le steak, bah la bactérie est restée vivante. Et c'est ce qui s'est passé, les gens l'ont mangé. Il y a beaucoup de gens qui ont décédé. C'était très triste. Et ils ont fait une histoire sur une petite fille. Elle avait 11 ans, 12 ans, je crois qu'elle avait mon âge. Bah, elle était tombée hyper malade, elle a presque décédé. Et c'était vraiment triste de voir ce qui s'est passé. Mais elle a survécu, je pense. Et après, elle a promis de ne plus jamais manger des hamburgers dans le restaurant. Elle ne mangerait que des hamburgers préparés et cuits par sa famille ou quelqu'un de proche, quoi. Les Jack in the Box, ils ont presque fait banqueroute, quoi. Ils ont presque écroulé, quoi. Ils marchent encore aujourd'hui, Jack in the Box. Mais ils ont changé leurs choses, quoi. Ils ont promis de cuire leurs burgers à fond. Maintenant, ils sont bien cuits, les burgers. Je viens manger mon repas, c'est fini, et franchement, c'était un repas bof. Comme je vous l'ai déjà dit, Jack in the Box, c'est pas un burger haut classe, mais en tout cas, je vous recommande si vous venez visiter les États-Unis. Mais si vous avez déjà essayé Jack in the Box, peut-être que vous pouvez me dire ce que vous pensez de Jack in the Box. On pourra commencer une conversation dans les sections de commentaires. N'hésitez pas à faire un commentaire. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like. Et aussi, partagez-la avec un beau pote. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner et aussi, cliquez sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment où elle est téléchargée. Je vous dis un grand merci à vous. Je vous souhaite une très très bonne journée et ciao ciao. Bye bye. Il y a la tête qui tourne un peu. Moi j'ai la tête qui tourne. Ok, donc ça on va maintenant. Ouais.